L'école d'Akono est un établissement d'enseignement général et technique fondé en 1963, déjà par Monseigneur Jean Zoua, confié d'abord initialement à l'abbé Benoît Yenin, un prêtre diocésain, et puis plus tard Monseigneur Jean Zoua va le confier au père Maurice, les frères des écoles chrétiennes, les Canadiens, qui vont donc tenir ce collège qui est d'un point de vue structurel, qui va de la classe de 6e jusqu'en classe de 3e dans les années, à la fin des années 90, précisément en 98. Et puis dès 98, il y aura extension au second cycle. Et donc cet établissement va de la 6e en terminale, dans les classes supérieures du secondaire, au second cycle, nous avons toutes les séries. À un moment donné, on a eu l'enseignement technique, la F1, mais qui aujourd'hui n'a pas fonctionné ces dernières années. Alors, c'est un régime mixte, des garçons et des filles. C'est un régime avec externat. On a un internat des garçons, un internat des filles. Et puis aussi, c'est un régime avec externat. Ce collège est fort d'une capacité, en termes d'internes, de près de 500. Et avec les externes, peut prendre près de 1000 personnes. Au plan infrastructurel, c'est un nombre d'infrastructures, une vingtaine de salles de classe et puis des bureaux. Les infrastructures, c'est aussi les infrastructures sportives. C'est un nombre d'aires de jeu, terrain de basket, terrain de volley, terrain de football. Et puis aussi une grande salle artistique qui permet de former à la musique. L'école va de lundi à vendredi avec les cours de 7h30 à 16h. Et puis le samedi, il y a des évaluations afin de permettre à nos apprenants et à nos élèves d'être aguerris par rapport aux défis pédagogiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Le profil de l'enseignant, c'est un enseignant qualifié, acquis à la cause de l'éducation, qui aime son métier. Et les diplômes accompagnent donc tous ces visages de l'enseignant là qu'on recherche. Je voudrais dire par exemple, pour ce qui est du Collège Toll cette année-ci, nous avons parmi nos enseignants des enseignants d'université. Sur le plan intellectuel par exemple, nous mettons tout en marche. Avec le programme donné par le père principal, nous avons des salles d'études où lorsque ces enfants-là rentrent des cours, se rendent à l'internat, alors selon le programme établi, tout est mis en marche pour que nous veillions sur la qualité, l'étude même dans les salles, et non seulement rester là, mais cependant vraiment la proximité, le regard attentif sur le travail, et puis mener à bien ce travail, c'est-à-dire vraiment contrôler non seulement les cahiers, voir si ces enfants-là prennent des cours effectivement, et les amener à travailler surtout. Mettre en marche le système dont veut le père principal, à savoir les fiches. Pendant qu'elles étudient, elles doivent noter dans les fiches afin de mémoriser le travail et pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes sur le plan intellectuel. Sur le plan spirituel, nous sommes dans un établissement confessionnel catholique. Alors ici, l'élève qui arrive ici apprend à prier. Cet enfant doit savoir qu'il existe un être suprême.
nous nous occupons essentiellement de l'organisation de la discipline. Et pour mieux mener ce travail, nous travaillons en étroite collaboration avec les titulaires de classe qui sont chargés de mettre des structures au sein de leurs différentes classes. Dans chaque classe, nous avons un chef de classe entouré de tout un conseil. Ce conseil est constitué d'un vice-chef de classe, d'un chargé de la spiritualité, d'un chargé de la propreté et du cahier des textes. Nous avons un chargé de la culture. Nous le faisons d'abord pour deux raisons. La première raison concerne la responsabilisation. Et la deuxième raison concerne l'efficacité. Pour mieux faire la discipline au sein de l'établissement, nous ne pouvons pas le faire de façon de l'extérieur. Il faut toujours le faire de l'extérieur et en même temps de l'intérieur. Ce sont donc eux qui sont les agents de l'intérieur. Avec eux, nous constatons que l'action est plus efficace. Dans le cadre pédagogique, les activités post- et périscolaires. Ces activités sont renfermées généralement dans ce qu'on appelle la culture. Et on peut classer ça sous trois registres. La vie associative avec la coopérative qui est chargée de l'animation justement culturelle et sportive du collège. Et les clubs culturels qui sont des rassemblements et des regroupements d'étudiants et d'apprenants selon leur passion. À côté de ça, nous avons ce que nous pouvons appeler les loisirs passifs. Dans le cadre de l'internat, il y a des espaces prévus pour que les enfants communiquent, ou bien les enfants communient de manière passive, mais dans la joie, autour de certains jeux de société. À côté de cela, maintenant, nous avons donc les loisirs actifs qui sont principalement constitués de sport dans leur diversité. En classe, on n'approfondit pas trop en classe. On dit seulement l'essentiel. À vous maintenant, c'est ça qu'on dit dans certaines épreuves que à partir des connaissances que vous connaissez et à partir des connaissances reçues en classe et de vos propres connaissances, donc mes propres connaissances ici, c'est la bibliothèque. Donc je viens à la bibliothèque pour lire. Les vieux connaissent donc est facile et en même temps difficile. Facile dans le sens où nous avons les heures d'études plus que d'autres qui sont à l'extérieur. Nous apprenons doublement que d'autres. Nous avons les professeurs aussi qui sont très, très bien placés, en même temps pour les cours aussi, pour les compositions, pour les évaluations. Nous composons chaque samedi, dans toutes les matières, on peut dire. Et c'est divisé en séquences. Et puis, pour moi, ça m'apporte du bien parce que ça me permet d'être à la ligne. Ça me permet d'être à la ligne dans les cours, dans les révisions aussi, de ne pas perdre le fil d'une leçon. Oui. Et ça nous oblige aussi à être à la ligne dans toutes les matières. Avec la professionnalisation, le besoin de rendre l'enfant compétitif sur le terrain de l'emploi. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement hyper agricole. Alors aujourd'hui, l'élève qui est au collège Stol d'Akono se forme au plan théorique, mais il doit aussi pouvoir rendre cela opérationnel. Il doit pouvoir avoir un espace et un lieu d'expérimentation de la formation qu'il reçoit. Il doit se former en agriculture, il doit être capable d'être compétitif sur le terrain de l'emploi. Et ici, au collège Stol d'Akono, il doit commencer à appliquer cela au quotidien. Donc, l'aide que nous demandons en matière agricole vise effectivement un complément pédagogique, mais en même temps aussi la capacité pour le collège Stol de devenir autonome, d'être premier bénéficiaire de l'agriculture et de l'élevage, mais d'être aussi formateur pour le candidat qui sort du collège Stol d'Akono. La menuiserie du collège Stol d'Akono a toujours été utile, non seulement au collège, mais aussi à toutes les populations riveraines. Cette menuiserie permet toujours une sorte de complément pédagogique, permet aux élèves non pas seulement de se limiter aux savoirs théoriques, mais de s'engager résolument vers les savoirs pratiques. Nous sommes dans un environnement où le bois est très important. Alors il s'agit d'apprendre à transformer ce bois ici localement. Donc l'élève qui sort du collège Stol d'Akono doit être outillé au plan technique, mais aussi cette menuiserie permet au collège Stol de refaire ses propres infrastructures et puis aussi d'aider les populations environnantes et rurales. À partir du collège Stol d'Akono, les élèves doivent pouvoir être interconnectés dans le monde
non seulement pour renforcer les cours qui leur sont dispensés, mais eux-mêmes aussi pour apprendre. Donc aujourd'hui, la bibliothèque, la salle d'informatique du collège, il y a un potentiel, il y a une bonne dizaine de machines, mais vous imaginez bien que c'est assez résiduel. Et aussi, les livres sont assez vétustes. Donc, nous aurons besoin vraiment d'un réaménagement de notre bibliothèque et puis aussi d'un achalandage nouveau de notre salle d'informatique. Aujourd'hui, nous voulons engager le collège vers un programme sport et études. En même temps qu'ils font des études, en même temps ils font du football et ils se forment. Dont les stades qui sont en phase de délabrement relativement avancée, de football, de basket, de hand, de volley, ont besoin d'être faits pour toute cette jeunesse qui vit ici et qui bouillonne d'énergie. C'est d'ailleurs ces infrastructures sportives qui ont fait la grande réputation et renommée du collège Toll. Vous vous rappelez dans les années 90, tous les jeux FENASCO. Et puis même à l'orée des années 2000, les équipes nationales venaient ici pour des stages. Mais aujourd'hui, ces infrastructures sportives sont en état de délabrement, ont besoin de rénovation. Il y a aussi la formation à la musique. Aujourd'hui, la musique est un métier. Nous voulons aussi engager le collège dans une formation musique-études. Aujourd'hui, notre fanfare et notre batterie musicale est vraiment en phase de décrépitude avancée. Elle est vraiment inopérante et inopérationnelle à présent. Il serait peut-être utile que cette musique, qui est importante, parce que nous avons des cours de musique dans les salles de classe, des cours théoriques, et les élèves doivent pouvoir appliquer cela dans la salle artistique et culturelle. Donc, nous aurons besoin de tout ce qui est instruments de musique de qualité. C'est des enfants intelligents qui ne demandent qu'à faire de la musique. Et ainsi, le collège Toll gardera sa spécificité. Nous avons des forages ici. Au collège Toll, mais la difficulté que nous avons avec ce forage, c'est que tous les élèves sont obligés d'aller s'approvisionner auprès d'un même puits d'eau. Et pourtant, ils ont des services à accomplir dans leurs différents lieux où ils sont, ils vivent. La question des toilettes, pour utiliser les toilettes, les élèves sont obligés d'aller au forage et de ramener de l'eau, ce qui peut causer des problèmes de salubrité. Nous avons besoin d'un système hydraulique qui peut permettre d'alimenter toute la maison. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Jean Barga, qui a eu cette ingénieuse idée d'affilier le collège Toll d'Akono au collège Leinster au Luxembourg. Déjà, le partenariat a très bien commencé. Les élèves sont heureux. Les 10 élèves qui sont en contact avec les autres élèves, les échanges ont commencé. Et nous espérons que tout ce que nous faisons, va aider les élèves du collège Toll à améliorer leurs capacités, améliorer leurs compétences pour être compétitifs. Chers amis, Monsieur Norbert, directeur du lycée de Leinster, et vous toutes autorités qui m'avez accueilli si joyeusement dans votre établissement, je vous salue et je vous embrasse très très fort. Je suis heureux de vous dire mon bonjour et ma reconnaissance pour tout ce qui est en train de se faire pour le partenariat, le jumelage entre le lycée de Leinster et le collège Toll, dont vous aurez certainement les images à travers cette vidéo. J'ai eu un bon séjour parmi vous et il est mémorable. Je crois que le curé Erasmi de l'abbaye Einstelach m'a marqué par la qualité des souvenirs qu'il a mis en moi. Cette abbaye est un monument historique, j'allais dire une œuvre de l'humanité. Et je me joins à lui pour saluer encore tous les pèlerins et surtout tous ceux qui en assurent la digne et la belle conservation. Le collège Toll et moi-même sommes très heureux que
cette coopération naissante qui donne déjà des joies ineffables prennent vraiment corps. Et j'encourage toutes les initiatives que vous faites, et notamment le Charity Cross qui se fera peut-être en juin ou en juillet. Et le souci que vous avez de nous apporter et votre amitié, votre amour et votre soutien.